avez des fans. Bonsoir, merci d'être avec nous pour ce nouveau rendez-vous des mardis de l'espace des sciences. Nous avons le plaisir ce soir de recevoir Dominique Arouet, je l'ai bien prononcé. Voilà, c'est très important, Dominique Arouet. Et avant de vous le présenter un peu plus complètement, je voulais juste vous dire que vous avez vu passer, depuis que vous êtes assis, je pense, un petit, on dit teaser, je crois, dans les milieux branchés, annonçant que le magazine Science West a désormais une application et que vous pouvez le retrouver gratuitement sur votre tablette ou sur votre iPhone. Alors, le magazine Science West, on vous en a distribué à l'entrée, je ne sais pas si vous en avez tous pris. C'est donc ce mensuel de l'espace des sciences qui est réalisé par une équipe de quatre journalistes, dont Nathalie Blanc est la rédactrice en chef. C'est un magazine qui parle de toute l'actualité scientifique dans notre région. Et c'est un bon moyen de connaître aussi toutes les recherches qui se font chez nous, de connaître même un petit peu mieux les chercheurs qui vivent dans notre région, puisqu'il y a des petites informations diverses et variées. Et il y a aussi à chaque fois un dossier. Par exemple, celui-ci, c'était un dossier sur le corps, un équilibre complexe. Et vous retrouvez toujours, quand il y a comme ça des articles, les coordonnées des scientifiques qui travaillent dans notre région. Vous pouvez donc éventuellement continuer la rencontre avec eux si vous le désirez. Et donc maintenant, c'est très très simple, c'est gratuit. Bon, le numéro, si vous voulez le numéro au papier, il coûte 3€, il n'est pas très très cher. Vous le trouvez en vente au champ libre ou par abonnement, hein, si vous le désirez, en vous adressant à l'espace des sciences. Mais sinon, eh bien, voilà, vous allez... c'est très facile, hein, je ne suis pas très douée, mais je l'ai fait. On peut le télécharger facilement sur Apple Store ou Google Play. Et voilà, vous avez comme ça tous les articles que vous pouvez trouver dans le magazine papier, et même des bonus, des vidéos et des choses comme ça, des vidéos qui sont faites grâce à Jackie, qui est notre monsieur multimédia, qui est derrière la caméra. Vous l'avez compris, cette conférence est enregistrée. Dominique Arouet a rencontré le reste de l'équipe. On les cache, parce qu'ils ne sont pas très présentables. Ils sont dans une petite régie, là, obscure, dans un petit placard. Mais ils sont là, ce sont Vincent et Gwen, des films de l'autre côté, avec qui nous travaillons, et aussi avec le CREA de l'université Rennes 2 pour l'enregistrement de ces conférences, que vous pouvez revoir ensuite sur le site de l'espace des sciences. Voilà ce que je voulais vous dire avant vraiment d'entrer dans le vif du sujet. Voilà, nous recevons ce soir un monsieur qui dit qu'il faut considérer les sols comme un patrimoine de l'humanité. Je trouve que c'est une très très belle phrase et qu'il va être important, je pense, de la répéter tout autour de nous. Pour le faire savoir, on va peut-être en dire un mot. Vous êtes agronome et pédologue de l'unité InfoSol, département environnement et agronomie de l'INRA d'Orléans. Président de l'Association française pour l'étude des sols. Votre vice-président est dans la salle, je crois, c'est à Rennes. On dénonce. Où il est là. Christian Walter, il s'appelle. Je le remercie, Christian Walter, parce que pour cette année internationale des sols, c'est lui qui est venu nous proposer d'inviter des conférenciers. Donc, nous en aurons quelques-uns comme ça tout au long de cette année 2015. Et vous êtes le premier à essuyer les plâtres, si j'ose dire. Vous faites partie aussi du partenariat mondial sur les sols, créé par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le FAO, et qui est d'ailleurs, les Nations Unies, qui sont d'ailleurs organisatrices, oui, c'est ça, de cette année internationale des sols. Et cette conférence que nous vous proposons ce soir est organisée en partenariat avec AgroCampus, l'INRA et l'OSUR. Voilà. Donc, il faut considérer les sols comme un patrimoine de l'humanité. Vous vous êtes aperçu de ça quand vous étiez tout petit ? Peut-être pas quand j'étais tout petit, encore que j'ai des racines un petit peu... Dans le Bordelais. Paysannes, dans le Bordelais, oui. J'ai des racines... au fin fond de la vigne, là. Oui. Mais
disons que je m'en suis surtout rendu compte quand j'ai commencé réellement à l'étudier, c'est-à-dire quand j'ai fait des études d'agronomie, et puis quand j'ai fait ma thèse ensuite. Et l'agronomie, c'était tout de suite... Parce que vous m'avez dit que vous étiez très, très bon en maths, plutôt bon mathématicien. Alors qu'est-ce qui vous a rendu... Ça, c'est quand j'étais gamin. Après, j'ai rapidement oublié. Ah. Et je me suis plutôt orienté vers les sciences naturelles, la biologie et l'agronomie. Et alors, qu'est-ce qui vous a donné l'idée ? Parce que je crois, et il y a un de vos pères qui dit cela, que vous avez un tempérament de pionnier, parce que vous vous êtes intéressé très très tôt aux moyens de cartographier les sols, cette ressource donc non renouvelable et assez méconnue. L'idée de base, mais je pense que je vais la redire tout à l'heure, c'est que... On ne peut pas gérer les sols sans les connaître. Et pour les connaître, il faut les cartographier. Il faut pouvoir les cartographier à toutes les échelles, connaître leurs propriétés et adapter en fait la gestion des sols à leurs propriétés et aux services écosystémiques qu'on veut qu'ils rendent. Alors vous êtes rentré à l'INRA en 1983. Oui. C'est ça. Après, vous avez fait un travail de thèse, vous m'avez dit, assez tardivement, sur le stockage de carbone dans les sols d'Aquitaine, que vous avez cartographié. Et d'ailleurs, pour ce travail, vous avez reçu la médaille d'argent de l'Académie d'agriculture. C'était en 1994, c'est ça ? Oui, c'est ça. Voilà. Ensuite, de 1996 à 1999, vous êtes représentant français du Centre thématique sur les sols de l'Agence européenne de l'environnement. Alors là, vous êtes allé dans tous les pays européens. On allait surtout à Copenhague, hein, parce que l'Agence européenne de l'environnement est à Copenhague, donc on faisait des réunions à Copenhague. D'accord. Et vous avez recensé. On quand même visiter quelques pays, oui, quelques centres. Parce qu'il fallait recenser les pratiques, les manières de... Oui, l'idée c'était de faire un bilan de la façon dont les pays cartographiaient, surveillaient la qualité de leur sol, et puis de voir si on pouvait harmoniser tout ça finalement. Alors, suite à ce travail, vous êtes sollicité de 99, je crois, à 2000-2001 pour faire l'une des toutes premières expertises scientifiques collectives de l'INRA sur le thème du stockage de carbone dans les sols agricoles de France. Et c'était une possible contribution à la lutte contre l'effet de serre. Oui, c'était exactement ça. C'était, je vais en parler tout à l'heure aussi, c'était savoir comment la façon de gérer les sols pourrait, je dirais, atténuer finalement les émissions de gaz à effet de serre. Bon, alors j'ai oublié de vous demander comment vous avez atterri à Orléans. Parce que c'était là qu'il y avait un boulot qui m'intéressait. Oui. Donc c'est en 2000 que vous créez là-bas, à l'INRA d'Orléans, InfoSol. Et je crois que vous en parlerez peut-être un petit peu tout à l'heure. C'était quoi l'idée de créer ce... L'idée d'InfoSol, c'était de créer une unité qui soit chargée à la fois de la cartographie et de la surveillance des sols de France. Donc une unité de service, quelque part, qui soit vraiment au service de la cartographie et de la surveillance des sols. Et ça, ça n'existait pas vraiment en tant que tel. Ça existait un petit peu, mais ce n'était pas identifié en tant que tel. Ouais. Et voilà, l'idée, c'était ça. Et qu'est-ce que c'est le RMQS ? C'est le réseau de mesure de la qualité des sols. C'est un réseau c'est un maillage systématique du territoire français sur lequel on va revenir tous les 10 à 12 ans. Et on va mesurer un certain nombre de caractéristiques, l'évolution d'un certain nombre de caractéristiques des sols pour savoir si on va dans le bon sens ou si on va dans le mauvais sens. Vous avez eu le prix Nobel en 2007. Oui, mais on était 2000 à l'avoir. Donc, bon. Mais c'est quand même vrai. C'est quand même vrai puisque vous faites partie du GIEC, du groupe intergouvernemental pour l'étude du climat. Et puis, alors c'est quoi le partenariat mondial sur les sols dont vous faites partie ? Alors, je vais vous en parler un petit peu tout à l'heure. C'est quelque chose qui a été mis en place par la FAO. Et qui vise à ce que l'ensemble des pays membres de la FAO, c'est-à-dire 194 pays dans le monde, se mettent d'accord sur ce qu'il faut faire pour sauver les sols de la planète. C'est ce que je vous expliquais. Je continue. Hein. Vous avez eu le prix du meilleur article scientifique en 2008 de la commission Pédometrix de l'Union internationale de sciences du sol. En 2012, vous devenez coordinateur scientifique du programme mondial Global Soil Map. Je crois que ça existe toujours et vous y êtes toujours. Et c'est en cours, c'est un travail en cours. Oui, c'est en cours et c'est un travail de longue haleine. Et je pense que l'objectif, c'est d'avoir cette base de données pour 2018, je dirais.
Vous avez eu le laurier ingénieur de l'INRA en 2010. On vous a mis un laurier sur la tête. Du tout, non, non. Ah non. Pour le système unique d'information sur les sols de France et leur évolution que vous avez constitué. Puis alors, vous êtes aussi un passionné de bande dessinée et un auteur de bande dessinée. Ah, alors ça, je l'ai découvert tardivement. Je ne me suis pas procuré les bandes dessinées. Je suis furieuse contre moi. Vous devriez les acheter toutes. Ah, mais c'est ce que je vais faire. Mais je suis scénariste, je ne suis pas dessinateur. Mais quand même, est-ce qu'elles vont avoir avec les sciences? Oui, un peu quand même. Oui, il y en a une qui s'appelle Childéric le Lombric. Donc, voilà. Si vous trouvez Childéric le Lombric, c'est paru chez Richer de Forge en 2010. Mais vous êtes aussi le co-auteur des BD L'Homme qui. Alors c'est quoi L'Homme qui? L'Homme qui quoi? Il y a quelque chose après. L'Homme qui. Non, c'est un concept qui est vraiment. Alors pour le coup, c'est pas scientifique du tout. Ah d'accord. C'est une histoire qui est dessinée avec des pieds uniquement. D'accord. Mais on a le droit de se faire plaisir de temps en temps autrement que dans la science. Ah non, mais je suis tout à fait d'accord, et ça je comprends très bien. Je reviens à Childéric le Lombric, qui est quand même un peu scientifique. Il y a une suite là, hein, que vous préparez. On est en train de préparer le troisième tome. Donc, à suivre. Et puis, bon, c'est anecdotique, mais vous avez eu aussi la médaille d'or de l'Académie d'agriculture de France. Là, tout dernièrement, vous venez de l'avoir. Non, c'est pas anecdotique, c'est très important, et bravo. Merci. Voilà, alors pour terminer, je voulais juste qu'on dise un petit mot de ces deux parutions que vous nous conseillez de regarder si on s'intéresse au sujet que vous allez aborder ce soir. Oui, je pense que c'est intéressant. Alors, agriculture et foncier, comment on se les procure? Celle-ci, on l'achète? Alors, celle-ci, elle s'achète. Je ne sais pas si elle se télécharge. Peut-être que ça se télécharge, mais ça peut s'acheter, ça peut se commander. Ça vient juste de sortir. Hein, c'est sorti en début d'année. Et je vous montrerai d'ailleurs tout à l'heure quelques images de ça. Et ça parle des concurrences entre les usages des sols et entre usagers des sols agricoles. En gros, ça parle de la question foncière, quoi. Depuis l'échelle de la commune jusqu'à l'échelle mondiale. Mmh. Et puis alors ça se télécharge par contre. Synthèse sur l'état des sols de France. Alors ça date de 2011. Mais dans les cartes que je vais vous montrer, il y a beaucoup de choses qui sont extraites de ça. Donc ça se télécharge sur le site du GISSOL, donc www.gisol.fr. Et vous avez la synthèse en 24 pages pour ceux qui veulent voir ça rapidement. Puis vous avez le gros bouquin de 190 pages aussi qui vous détaille tout. C'est sorti en 2011. Et voilà, on a coordonné ce bouquin-là. Et beaucoup des images que je vais vous montrer aujourd'hui sortent de là. Voilà. Et puis alors, quelque chose de très important aussi, un jeu des sept familles. Et mais c'est sérieux, c'est vraiment bien. Vous m'en avez offert un, je suis drôlement contente. Moi, je veux bien savoir maintenant ce qu'il y a dans ce sol que l'on connaît si mal. Alors, en fait, il y a le coléoptère, le cloporte, le ver de terre, la fourmi, le yule. Alors voilà, j'ai appris qu'on disait le yule et non pas la yule, comme je disais jusqu'à maintenant, par exemple. Le termite, etc., etc. Ce petit peuple qui vit dans les sols et que l'on connaît bien peu. Oui, tout à fait. Ça a été, on l'a fait. Alors, ce n'est pas juste un produit de l'Association française pour l'étude des sols. On y a contribué, mais c'est un produit du programme GESOL du ministère de l'Écologie. Ça a été cofinancé également par l'ADEME, par tout un tas d'organismes, par l'IRD. Et donc on a édité ce jeu de cartes, on l'a distribué dans un grand nombre de centres pédagogiques. Et puis vous pouvez télécharger ces images ou vous l'imprimez vous-même en allant sur le site GESOL, donc www.gesol.fr. Voilà, je crois qu'on a à peu près tout dit. De toute façon, ce qu'on a oublié, on le dira après. Vous, tout ce que vous n'aurez pas compris, vous poserez des questions tout de suite à la fin de la conférence, comme d'habitude. Mais pour le moment, on va écouter votre conférence dont le titre est « Menace mondiale sur les sols » et « Menace mondiale avec des S à la fin. Donc, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il faut s'en préoccuper. Il est temps. À tout de suite. Bonne soirée à tous.
Bon, ben, voilà, bonsoir à tous, et puis merci d'être venus aussi nombreux. Je suis très heureux de voir qu'il y a plein de Bretons et plein de Rennais qui s'intéressent au sol. Alors, je vais commencer par une petite introduction. Et des Normands, ouais, il faut des Orléanais aussi. Hein. Une petite introduction sur ce qu'est le sol, quelle est sa position dans l'environnement. Donc, c'est une interface, en fait, dans l'environnement. Une interface entre quatre grands compartiments que sont la biosphère, les végétaux, si vous voulez, l'atmosphère, l'hydrosphère, et puis la lithosphère, la géologie. Et puis, avec ces quatre grands compartiments, le sol, il échange en permanence des flux. Il échange des flux d'eau, des flux d'air. Il échange aussi des flux de particules, des flux de molécules, des flux d'éléments. Et on conçoit qu'il est vraiment au centre, quelque part, de l'écosystème et que toute étude écosystémique se doit de le prendre en compte. Comment ça marche, ça ? Ça marchait bien tout à l'heure, oui. Alors, le sol, c'est une ressource essentielle, non renouvelable, à la différence de l'air et de l'eau, qui, eux, sont plus ou moins renouvelables. Et c'est une ressource qui nous rend des services multiples. Donc, c'est lui qui permet de produire des aliments, de la biomasse, C3F, Food, Fiber, Fuel. C'est lui qui permet de réguler un certain nombre d'événements extrêmes, comme les inondations ou la sécheresse. C'est lui qui filtre nos eaux, c'est lui qui épure une grande partie de nos déchets. Quelque part, le sol, c'est un petit peu la plus grande station d'épuration du monde. C'est lui qui transforme un certain nombre de produits, et donc qui filtre nos eaux également. C'est une source de matières premières, c'est avec lui qu'on construit, qu'on sort des graviers pour les routes, etc., des briques. C'est notre environnement physique et culturel. C'est une partie de notre paysage, et puis c'est là-dessus qu'on construit également. C'est un habitat et un patrimoine génétique immense, je vais y revenir tout à l'heure. Et puis c'est également un régulateur des gaz à effet de serre au travers des flux de CO2, N2O et CH4 qu'il échange avec l'atmosphère. Donc on le voit, il y a énormément de services que rend le sol, mais en même temps, il peut y avoir des antagonismes entre cela, c'est-à-dire que quand on va vouloir juger de la qualité d'un sol, eh bien, il va falloir savoir finalement quels sont les services qu'on veut privilégier. C'est une ressource qui est également soumise à de fortes pressions. Donc, ces pressions, elles ont été listées par la Commission européenne en 2002, puis 2006. Donc, une des premières pressions, c'est l'érosion, par la perte en sol qu'elle entraîne, et puis également par les dégâts en aval qu'elle génère. C'est la baisse des teneurs en matière organique, c'est la contamination ponctuelle ou diffuse par différents contaminants, par différents polluants. C'est la salinisation qui ne nous concerne pas trop ici en France, quoique depuis la tempête Xynthia un petit peu, mais qui concerne surtout les pays, je dirais, du Moyen-Orient et les pays méditerranéens. C'est les inondations, les glissements de terrain, c'est l'artificialisation, la bétonisation en fait, de notre territoire, j'y reviendrai. C'est le tassement, c'est une baisse éventuelle de la biodiversité, et puis c'est l'acidification en particulier pour les milieux forestiers. Alors, avant tout, le sol, à l'échelle mondiale, c'est une ressource qui est très limitée en surface et en qualité. Donc on estime qu'on a simplement 22% des terres émergées qui possèdent des sols qui sont théoriquement favorables à l'agriculture, et que parmi celles-ci, 60% sont touchés par une ou plusieurs formes de dégradation. Alors les sols qui ne sont pas dégradés et qui ont une productivité relativement importante, c'est ceux qui sont en vert et en bleu en fait, sur cette carte. Et vous voyez que c'est très peu finalement. Hein. Donc c'est une partie de l'Europe, c'est l'Ukraine, c'est le Middle West des États-Unis, c'est une partie de l'Argentine, c'est une partie de l'Inde. Mais partout ailleurs, finalement, il y a des problèmes sur le sol. Alors, il y a des enjeux mondiaux, en fait, actuellement sur le sol, et c'est pour ça qu'il y a ce partenariat mondial sur les sols qui s'est créé. C'est que, voilà, il y a l'enjeu de la sécurité alimentaire, ce sont les sols qui nous nourrissent, il y a l'enjeu de la sécurité, l'approvisionnement en eau, en quantité et en qualité, ce sont les sols qui filtrent nos eaux, il y a l'enjeu du changement climatique, il y a l'enjeu de la protection de la biodiversité. Et il y a 25% de la biodiversité du monde qui est dans les sols, en fait, qui est souterraine.
C'est l'enjeu des énergies renouvelables et puis tout un tas d'autres services écosystémiques. Et au centre de ça, finalement, il y a quoi ? Il y a le sol. Ce qui a fait naître, quelque part, le concept de... Alors, je ne sais pas le traduire en France. En français, en anglais, on dit soil security. Sécurité du sol, enfin... Sécurité pédologique. Je ne sais pas comment le traduire. Alors, dans quel état sont nos sols ? Je vais prendre menace par menace. Donc, je vais commencer par vous parler d'érosion. Si ça veut bien marcher. Alors, voici une évaluation de la vulnérabilité des sols à l'érosion dans le monde. Alors, on voit tout de suite que voilà, ça touche principalement le Sahel, ça touche tout le pourtour de la Méditerranée, ça touche une partie des États-Unis, les Appalaches, ça touche les zones montagneuses, évidemment. Et puis, le gros hotspot, finalement, d'érosion dans le monde, c'est la Chine, c'est les plateaux, le cycle chinois, où là, il y a vraiment de très, très gros problèmes. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, là, vous avez une image de l'érosion du grand plateau, le cycle chinois. Donc, il faut imaginer un plateau qui était comme ça, et puis maintenant, ça devient ça. Et l'érosion des sols par l'eau affecte chez nous, enfin en Europe, 1,3 million de kilomètres carrés, c'est-à-dire qu'on estime qu'en Europe, il y a environ 2,5 fois la taille de la France qui est affectée par des problèmes d'érosion importants. Et dans le monde, c'est 24 milliards de tonnes de sols par an qui sont érodés, c'est-à-dire 3,4 tonnes par an et par habitant. Alors, je vais faire un petit zoom sur le plateau, le cycle chinois. Donc, ça fait 0,53 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire à peu près l'équivalent de la surface de la France métropolitaine. Là-dessus, il y a à peu près 90% du territoire qui est érodé. Et donc, ça donne ça. Alors, ça fait des très jolies photos. Hein. Par contre, c'est pour l'environnement, c'est pas terrible. Donc, vous avez le plateau qui est cultivé et puis de l'érosion en ravine. Je vais défiler un certain nombre de photos comme ça. Ici, vous avez des séquences de formes d'érosion le long des pentes. Donc, sur la photo en haut à gauche, vous voyez que ça commence par éroder doucement en nappe, puis ça forme petit à petit des rigoles, puis ensuite des ravines. Et sur la photo en bas, à droite, alors ça, c'est des trucs qu'adorent les sédimentologues, parce que ce qu'on voit finalement, c'est toutes les couches de leus qui apparaissent parce qu'elles ont été décapées par cette érosion. Alors, ça intéresse beaucoup les sédimentologues, mais nous, pas forcément. Et puis, en aval, ça a des conséquences. Donc là, vous avez le fleuve jaune en Chine. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a tellement de sédiments qui s'accumulent à cause de l'érosion que le niveau du lit du fleuve est monté de 13 mètres au-dessus du niveau de la plaine, et qu'il a fallu endiguer tout ça, sinon c'était une catastrophe. Alors ça arrive chez nous aussi, donc quelques photos des coulées boueuses en Haute-Normandie, pendant, après, quand on rentre chez soi, on est content. Ici, de la battance et de l'érosion en nappe, et puis ce qu'on appelle des atterrissements, c'est-à-dire du sol qui vient s'accumuler en bas de pente dans le pays de Caux, en France. Ça, c'est encore pas très, très grave, mais après, quand ça continue, il peut y avoir une concentration du ruissellement. Et puis, quand le ruissellement se concentre encore, il peut y avoir carrément des ravinements, c'est-à-dire qu'on va arracher de la terre sur des mètres et des mètres linéaires. Et puis, une fois qu'on est dans les villages, c'est pas forcément très sympathique. Donc, voilà, une photo de coulée de boue en Belgique. Il y a des exemples hein, aussi en Pays de Caux, en Alsace, chez nous. Et puis, une autre forme d'érosion, qui est de l'érosion linéaire de berge. Donc là, vous êtes dans le Connemara, en Irlande, où il y a les tourbes, en fait, qui sont arrachées par le ruissellement. Alors, si on revient sur les territoires français, on estime qu'on a environ 20% de nos sols qui sont en situation non durable en termes d'érosion. C'est-à-dire qu'on perd beaucoup plus de sols que ce que la nature créé naturellement par altération. Bon, on estime que sous nos climats et selon le type de roche ou le type de matériau parental, la nature, l'altération va former entre grosso modo 100 kg et une tonne de sol par hectare et par an. Et il y a certains endroits en France où on en perd
plus de 20 ou plus de 30 tonnes par hectare et par an par érosion. Ça veut dire qu'on est parfois dans des niveaux d'érosion où on perd 300 fois plus de sol que la nature n'est capable d'en créer. Et donc ça concerne en partie la Bretagne, mais ça concerne surtout les grandes plaines limoneuses du nord du bassin parisien. Ça concerne beaucoup de vignobles de France. Vous reconnaissez le Bordelais. Pour ceux qui connaissent le Beaujolais, vous le devinez, près de Lyon. Ça concerne le Piémont pyrénéen, les vignobles d'Alsace, etc. Je suis allé trop vite. La deuxième grande menace, enfin, pour ce que je pense, c'est l'artificialisation, c'est-à-dire la disparition des sols sous le béton, sous le bitume, sous les villes, sous les infrastructures, etc. On estime actuellement qu'on a 20 millions d'hectares de sols agricoles qui sont convertis chaque année dans le monde pour l'expansion urbaine et industrielle, c'est-à-dire plus que la surface totale des terres arables de France. La surface totale des terres arables de France, c'est 19 millions d'hectares. Donc vous avez tous les sols cultivés de France qui disparaissent chaque année dans le monde, l'équivalent. Ça fait 6350 mètres carrés par seconde. Et en Europe, ça va extrêmement vite également. Et pour compenser la perte d'un hectare de terres fertiles en Europe, il faudrait exploiter une superficie jusqu'à 10 fois plus grande dans une autre partie du monde. C'est pour ça qu'il faut protéger nos sols. C'est que si on ne les protège pas, on va devoir aller exploiter encore plus ailleurs. Et donc l'enjeu, quelque part, c'est de lutter efficacement contre l'étalement urbain. Et donc chez nous, en France métropolitaine, c'est 27 mètres carrés qui sont imperméabilisés par seconde. C'est-à-dire que le temps que je dise cette phrase, c'est toute cette salle qui est imperméabilisée. Alors voilà un exemple d'évolution de l'artificialisation en Île-de-France en 10 ans. Donc, quand c'est rouge, c'est que ça commence à bétonner pas mal. Le blanc, c'est l'agglomération parisienne, hein, c'est ce qui est déjà tout bétonné. Et vous voyez que ça gagne progressivement et ça gagne principalement sur les bonnes terres agricoles, entre guillemets, c'est-à-dire sur l'abri, sur les limons qui sont sur le plateau de Saclay, etc. Alors, il y a un truc que je vous conseille de lire, si vous voulez regarder ce que c'est que l'artificialisation, c'est dans la revue du CGDD, donc ça c'est librement téléchargeable hein, sur le site de l'IFEN, qui fait un bilan en fait, de ce qui s'est passé. Donc, ce sur quoi il faut insister, c'est que c'est le plus souvent irréversible. C'est très difficile de remettre en fonction un sol qui a été bétonné. Ça s'est accéléré jusqu'en 2008, hein, puisque en 7 ans... On avait perdu l'équivalent d'un département français entre 2003 et 2010, au lieu de 10 ans, de 93 à 2002. Puis ça a commencé à décélérer. C'est-à-dire que le pic, il a été en 2008. En 2008, on a artificialisé à peu près 85 000 hectares par an. Et puis ça a décéléré, tout simplement parce que, à cause de la crise financière. Et finalement, ça montre que la crise financière a été plus efficace que nos politiques pour réduire l'artificialisation des sols, mais enfin, je l'assume. Et ça se fait à peu près à 90% aux dépens des terres agricoles et surtout aux dépens des terres les plus productives, parce que les villes ne sont pas construites au hasard et souvent elles sont à des endroits où justement il y avait une agriculture qui était productive. Petit mot sur la fertilité chimique de nos sols. Voilà, je vous ai mis un graphique donc, qui est dans le bouquin Déméter qu'on vous a présenté tout à l'heure, hein, qui vous dit l'apport moyen d'engrais minéraux par continent. Donc vous voyez que nous, en Europe de l'Ouest, on est plutôt un petit peu au-dessus de la moyenne. Il y en a qui font beaucoup plus, hein, il y en a qui intensifient énormément, en particulier tout ce qui est Asie de l'Est, etc., mais j'y reviendrai. Et puis il y a vraiment un pauvre dans l'affaire, c'est pas très étonnant, c'est l'Afrique subsaharienne, où là, on n'apporte pratiquement rien. Alors si on fait une petite comparaison entre le nord tempéré des pays développés et puis le sud tropical des pays les moins développés, qu'est-ce qui se passe ? Nous, on a une très forte productivité, hein. On a de très forts niveaux d'intrants, généralement en azote, phosphore, potassium. Du coup, on a quand même souvent une agriculture qui est quand même plus ou moins polluante.
il y a une consommation énergétique qui est excessive, et puis on a des problèmes d'érosion. Au sud, il y a une très faible productivité, donc les gens, ben, ils crèvent de faim. On a de très faibles niveaux d'intrants, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les moyens en fait, d'apporter, que ce soit d'ailleurs en minéral ou en organique, hein, ils n'ont pas les moyens d'apporter de l'azote, du phosphore, du potassium. Donc on a une agriculture qu'on pourrait qualifier de minière, c'est-à-dire que les gens y vont, ils exploitent, ils défrichent, ils brûlent, ils exploitent le sol, et puis une fois qu'il n'y a plus rien à manger ben, dans le sol, entre guillemets, ben, ils vont exploiter et brûler ailleurs, sauf que c'est un truc qui n'est pas durable, parce que, comment vous dire ça, ça met beaucoup plus de temps à se reconstituer que le temps à le détruire ou à le perdre. Et puis ils ont des problèmes d'érosion aussi. Donc quel que soit le niveau de développement, finalement, on a des graves problèmes environnementaux. Et nous, on n'a pas trop de problèmes pour manger, mais ceux du Sud, ils ont des problèmes pour manger. Donc on a des modèles qui sont à changer. Là, je vous mets une estimation des pertes des sols en nutriments, c'est-à-dire qu'on regarde ce qu'on apporte, on regarde ce que les cultures exportent, et on regarde finalement si le sol il est en train de s'appauvrir ou pas. Et on s'aperçoit que si on regarde l'Afrique en général, on a systématiquement des pertes, c'est-à-dire qu'on est dans un système où on est en train d'appauvrir nos sols, c'est-à-dire d'avoir de moins en moins de nutriments, parce qu'on en exporte plus que ce qu'on en apporte. Donc c'est une espèce de spirale de la pauvreté. Et ça ne marche pas. Dans ce contexte, à mon avis, il faut tout faire pour essayer d'accroître l'utilisation d'engrais. Alors quand je dis engrais, ce n'est pas forcément des choses chimiques, ça peut être des apports organiques, etc. Mais faire en sorte qu'il y ait un retour des nutriments, en fait, vers les sols, parce que sinon, on va dans une spirale où on appauvrit, et voilà. Et ce, surtout, à mon avis, pour le petit paysanat local. Alors un petit zoom sur le phosphore, ça va fâcher les Bretons. Est-ce qu'on en a trop, est-ce qu'on n'en a pas assez? Donc là, je vous mets une carte des teneurs en phosphore assimilables qu'on a classées en trois catégories, faible, moyenne, forte. Forte, ça veut dire que vous en avez trop, quoi, finalement. Voilà, vous voyez où vous êtes. On voit la première surprise quand même, c'est qu'il y a plein de sols en France où finalement on a plutôt des teneurs faibles, alors qu'on ne s'y attendait pas trop. Et puis il y a des hotspots auxquels on s'attendait, c'est sûr. Alors les gros hotspots finalement, c'est les zones d'élevage hors sol intensif. Et puis c'est aussi les anciennes zones minières où on a épandu beaucoup de phosphore qui était issu de scories phosphopotassiques qui étaient en fait des résidus des exploitations minières. Donc c'est le cas dans le Nord-Pas-de-Calais par exemple. Alors je continue à vous fâcher. Donc aussi l'évolution des teneurs en phosphore en Bretagne. Je pense qu'on a des cartes nouvelles, mais je ne les ai pas intégrées. Donc ce qu'on voit, c'est que ça continue à augmenter, quoi, et que c'est aux endroits où il y en avait le plus que ça continue à augmenter. Donc on est dans une spirale d'augmentation du phosphore. Alors le phosphore, ce n'est pas forcément très dangereux pour les sols en eux-mêmes, hein. Plutôt emmerdant pour les eaux, quoi. Mais pour le sol, ce n'est pas forcément très, 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 très dangereux. Alors, on a d'autres soucis au niveau, cette fois mondial, je dirais, sur le phosphore, et même au niveau français, c'est qu'on sait que les apports moyens en France de phosphore sont en constante diminution. On sait que les stocks de phosphore ne sont pas illimités dans le monde, ou en tout cas qu'ils vont coûter, que leur extraction va coûter de plus en plus cher. Donc on peut se poser la question de l'évolution de ces stocks de phosphore en France à long terme. On peut se poser la question comment gérer mieux ces situations où on a côte à côte des excès et des déficits. Et puis je pense qu'on pourrait se poser la question aussi comment mieux recycler le phosphore, en particulier celui de nos déchets, celui de nos déchets alimentaires, etc. Tout ce qu'on jette à la poubelle, on pourrait le composter et puis on pourrait en faire du phosphore sans aller le chercher au Maroc ou au Togo. Un petit mot sur l'acidification. Alors là, je vous ai mis une estimation des pH, donc un indicateur d'acidité, des sols du monde. Plus c'est rouge, plus c'est acide. Okay.
Donc, en fait, on voit deux, à l'échelle mondiale, on voit deux grandes tendances qui sont naturelles, quelque part. Donc, au nord, dans l'hémisphère nord, on a des pH très bas parce qu'on est dans des systèmes très froids où la matière organique s'accumule, et cette matière organique, elle est acide, donc ça fait des tourbes, des podzols, des sols comme ça, qui génèrent de l'acidité qui est « naturelle », entre guillemets. Ce n'est pas forcément très gênant, parce que la végétation qui est dans ces lieux-là, ben, elle s'est plus ou moins adaptée, finalement. Les tagas, toundras, etc., ça survit. Et puis au sud, ou plutôt dans les milieux, je dirais, équatoriaux, subéquatoriaux, on a aussi des pH qui sont très bas, mais là, c'est pour une toute autre raison. C'est parce qu'on est dans des systèmes où ça tourne tellement vite, il y a tellement de pluie, et les sols retiennent tellement peu les éléments que ça s'acidifie naturellement, mais pas du tout pour les mêmes raisons. Et l'enjeu au sud, il est bien d'essayer de maintenir ces pH à un niveau relativement élevé si on prétend cultiver les sols. Et c'est un des problèmes majeurs en fait, des pays du Sud. Quand on se met à cultiver les sols sous ces climats-là, il faut absolument surveiller l'acidité de ces sols, sinon on va vers une catastrophe. Alors un petit zoom sur la France. Donc là, je vous mets le pH des sols agricoles de France. Donc c'est un peu la même légende. Hein. Plus, quand c'est rouge, c'est très acide. Quand c'est vert bleu, c'est basique. Et quand c'est jaune, c'est neutre. Donc on reconnaît la géologie de la France, hein, les grands types de matériaux. Donc on voit qu'en Bretagne, enfin, sur le massif armoricain, on est plutôt acide, dans les Landes également, dans le massif central également. Puis on voit que en PACA, on est plutôt basique, que Champagne est également basique, etc. Puis ce qu'on voit surtout, c'est parce que là, je vous ai mis deux périodes, j'ai oublié de le dire, mais c'est deux périodes à 10 ans d'intervalle, et on voit que la structure, elle se maintient, et on voit des petites évolutions. Et ce qu'on est en train de montrer actuellement, c'est que le pH des sols de France, il est plutôt en train d'augmenter que de diminuer. Ça veut dire que c'est plutôt, au niveau agricole en tout cas, c'est plutôt bien géré. Tout ça par des apports de chaulage, hein, d'amendement. Par contre, si on se place sous forêt, alors là, je vous ai mis des statistiques qui sont extraites du réseau de mesure de la qualité des sols. Donc, c'est 2000 points en France, pris selon une maille systématique. Et je vous ai mis l'histogramme, la distribution du pH dans les sols agricoles et dans les sols forestiers. Alors, ce qu'on voit, c'est que dans les sols agricoles, on a relativement peu de pH très acide. Disons que quand on descend au-dessous de 5,5, on considère qu'on est vraiment limite, qu'on est trop acide. Ce qu'on voit aussi dans les sols agricoles, c'est qu'on a un histogramme qui est bimodal, c'est-à-dire qu'on a des pH qui restent très élevés dans des milieux calcaires où c'est, de toute façon c'est tamponné par la roche, par le milieu calcaire, et sinon on a une tendance à l'acidification. Et puis ce qui est au milieu, le creux qui est au milieu, ben c'est ce qui est maintenu par les agriculteurs grâce à du chaulage. Et puis sous forêt, à gauche, on ne chaule pas. Donc on va directement vers l'acidification pratiquement tout le temps, sauf si on est vraiment sur un milieu très très calcaire. Et là, il y a des inquiétudes à avoir, parce que quand on tombe à des pH qui sont autour de moins de 4 ou même moins de 4,5 sous forêt, on peut vraiment avoir des problèmes de dépérissement, on peut avoir des problèmes même d'évolution de nos sols. Alors, voilà, pour revenir sur l'acidification, elle est relativement bien gérée dans les sols cultivés de France. Elle est à surveiller dans les prairies et les forêts, et c'est une question majeure pour la production agricole en zone équatoriale et subtropicale, et qui est souvent très négligée. Un petit mot sur la matière organique et les stocks de carbone. Là, vous avez... Alors, le carbone organique des sols, c'est en gros 50% de la matière organique des sols, donc ça vient finalement de la décomposition des végétaux. Et là, vous avez une estimation donc, du stockage de carbone dans les sols du monde. Alors, on voit des gradients. On voit que dans le nord, il y a des stockages importants. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Ce sont les tourbes. C'est lié au froid. On voit que dans les zones où il n'y a aucune production agricole type désert, il n'y a aucun stockage du tout.
Et puis, bah, nous, on est un peu en, je dirais, en situation intermédiaire. Mais c'est énorme. C'est-à-dire qu'on estime que le carbone organique des sols, c'est 2000 milliards de tonnes de carbone qui sont stockées dans les sols du monde. C'est-à-dire plus que toute la végétation et l'atmosphère réunies, plus que tout le CO2 qui est dans l'atmosphère et que tout le carbone qui est stocké dans la végétation. Et ça revient à dire que finalement, si on arrivait à augmenter un tout petit peu ce stock de carbone, ce stock de matière organique, si on arrivait à l'augmenter de 4 pour 1000 par an, ben, par un simple calcul, on arrive à montrer qu'on pourrait compenser toutes les émissions de gaz à effet de serre mondiales. Alors, maintenant, un petit zoom sur le carbone en Europe. Pourquoi se poser la question du changement climatique et surtout, quels sont les enjeux en Europe? Donc, encore une fois, là, plus c'est noir, plus il y a de carbone. Quand ça devient gris, c'est qu'il n'y en a vraiment plus du tout, presque. Donc, on voit qu'il y a un gradient, hein, il y a un gradient nord-sud. Et donc, l'enjeu au nord, c'est on a des stocks énormes. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'avec le réchauffement climatique, ça ne va pas se mettre à se minéraliser? Est-ce que ces sols ne vont pas redégager du CO2 dans l'atmosphère? Et donc, quelque part, une spirale infernale, faire augmenter la température, etc. Et donc, l'enjeu, là, c'est de protéger ces stocks-là, si on y arrive. Et l'enjeu au sud, il est complètement différent. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne va pas arriver à des teneurs en matière organique tellement basses que nos sols vont se dégrader et vont finir par aller vers la désertification. Donc deux enjeux complètement différents. Et nous, on est encore quelque part un petit peu au milieu. C'est-à-dire qu'on a cet enjeu des gros stocks, des forts stocks de carbone, principalement dans nos montagnes. Et puis on a l'enjeu de la désertification dans les zones méditerranéennes. Voilà un zoom sur la France. Donc on estime que dans les 30 premiers centimètres de France, on aurait entre 3,2 et 3,6 milliards de tonnes de carbone. Ce n'est pas réparti au hasard du tout. On voit tout de suite qu'il y a un effet, y a un effet climatique, y a un effet des montagnes, il y a un effet froid, en fait. Hein. Pyrénées, Massif central, Jura, Alpes, etc. Il y a un effet système de culture, ou système agricole, c'est-à-dire que toutes les grandes plaines cultivées du nord du bassin parisien ont moins de carbone que les autres zones. Il y a un effet également de la viticulture. Toutes les zones viticoles ont des teneurs en carbone qui sont très faibles. Et puis après, il y a des effets, d'usage de forêt ou de mixité prairie-culture, etc., comme on voit dans le massif armoricain ou en Lorraine. Donc ce n'est pas au hasard du tout. Alors on est allé regarder un petit peu comment ça bougeait, et puis on a pu montrer que dans certaines régions de France, ça diminuait, ou c'était stable, ou ça augmentait. Donc je vous montre là un exemple en Franche-Comté. Donc voilà, quand c'est rouge, il y a beaucoup de teneurs, il y a beaucoup de matière organique, il y a beaucoup de carbone. Quand c'est bleu, il n'y en a pas beaucoup du tout. Et puis on regarde comment ça évolue au fil du temps, et on voit que les taches bleues, elles s'élargissent au fil du temps, entre 90 et 2004. Et que donc là, on est dans une région où on est en train de perdre de la matière organique et de libérer du carbone dans l'atmosphère quelque part. Mais ce n'est pas le cas partout. C'est-à-dire il y a des régions où on est plus ou moins stabilisé. Par exemple, en Picardie, c'est stabilisé. Après, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a des endroits où je pourrais faire en sorte de stocker plus de matière organique dans mes sols? Donc là, ça devient un petit peu plus complexe au niveau, je dirais, modélisation. Mais l'idée, c'est de se dire que les sols, ils ont une certaine capacité à stocker le carbone qui provient de, je dirais, de leur composition. Et donc les cartes que je vous montre, la carte de gauche, quand c'est bleu, ça veut dire que le sol, finalement, il a stocké quelque part tout ce qu'il pouvait. Donc et puis quand ça devient marron, c'est que il est à un niveau très très faible par rapport à ce qu'il pourrait potentiellement stocker. Et donc c'est peut-être là qu'il faut faire des efforts pour remonter les teneurs. C'est peut-être aussi dans les zones bleues qu'il faut faire des efforts pour ne pas les faire baisser. Donc il y a plein d'autres enjeux sur la matière organique. Il n'y a pas que le carbone atmosphérique. Il y a la structuration, la stabilité de la structure. Il y a la protection contre l'érosion. C'est un réservoir d'éléments minéraux, ça permet la rétention en eau, ça diminue la compacité, ça maintient la biodiversité. Bref, c'est
maintenir des teneurs en matière organique importantes dans les sols, c'est quelque part toujours gagnant-gagnant. Il n'y a qu'un cas finalement où ce n'est pas gagnant-gagnant, c'est dans les systèmes viticoles, où si vous avez trop de matière organique, vous risquez de produire un peu trop d'azote et puis de faire de l'eau au lieu de faire du vin de qualité. Mais c'est vraiment le seul cas. Juste un mot sur la salinisation. Bon, ça ne nous concerne pas trop, nous, à part depuis Xintia. C'est quand même un problème mondial important qui touche principalement le Moyen-Orient, hein, le Grand Moyen-Orient. Donc en salinisation, c'est tout ce que j'ai mis en cette espèce de rose violine, là, comme le titre salinisation. Donc vous voyez que ça touche le Grand Moyen-Orient, ça touche un petit peu le Maghreb, le pourtour méditerranéen. En Europe, ça touche également le delta du Danube. Et puis ça touche aussi assez fortement le Middle West des États-Unis. Alors, des choses qui fâchent maintenant, donc la contamination. Ce que je vous ai mis là, ce sont les teneurs en plomb dans les sols de France. Donc ça vient aussi du réseau de mesure de la qualité des sols. Plus les points sont gros, plus il y a de plomb dessus. Plus il y a de plomb dedans, plutôt, je veux dire. Et ce que je vous ai mis en fond de carte, c'est vraiment des grandes catégories géologiques, mais alors vue de Mars, hein, de la France. Et on voit que tous les massifs cristallins, etc., ont des teneurs en plomb relativement élevées, mais qui sont d'origine naturelle. Hein. C'est le cas du massif central, par exemple. Par contre, ce qu'on voit, et alors là, je ne sais pas comment ça marche, on ne voit rien du tout. Enfin, concentrez-vous sur Paris et sur le Nord-Pas-de-Calais. Et vous allez voir que là, ce n'est pas une origine géologique du tout. C'est clairement de la contamination d'origine soit industrielle, soit d'origine des essences plombées d'avant 1990. Et puis on voit également qu'on a des petites accumulations de plomb dans les estuaires et dans certains deltas, hein, comme l'estuaire de la Gironde, l'estuaire de la Loire et puis le delta du Rhône. Alors on a pu calculer les retombées en plomb d'origine humaine qui étaient présentes dans les sols. Alors là, le zoom que je vous montre, c'est vous avez Paris qui est le point, je vois pas mon truc, oui c'est ça, qui est le point le plus gros là. Et puis vous avez l'Île-de-France, le Loiret et le Raie-et-Loire. On a pu montrer qu'il y avait un immense ballon de rugby d'accumulation de plomb sur cette zone-là. Et on a pu calculer que sur cette zone-là, il y avait environ 143 000 tonnes de plomb qui s'étaient accumulées durant des temps historiques, hein, ce qui représente à peu près 6 tonnes par kilomètre carré, ce qui est assez énorme. Alors, il n'y a pas que nous qui avons fait ça. Là, vous avez le plomb dans les sols de l'agglomération londonienne. Alors là, c'est pire que chez nous. Ils arrivent à des niveaux monstrueux. Hein. C'est-à-dire que, en gros, pour le plomb, si vous voulez, dès qu'on dépasse 50 mg par kilo, on est hors norme. Ça veut dire qu'on est contaminé. Et en fait, toute l'agglomération, les seules choses qui ne sont pas vraiment contaminées, c'est les petits trucs bleus que vous voyez sur le pourtour. Mais sinon, tout le reste est ultra contaminé. Alors, si on regarde d'autres métaux, ben on va avoir des choses un peu similaires. Donc là, on est sur le zinc. Donc on a toujours des effets, je dirais, naturels, comme ce qu'on voit dans le sud du massif central. Ça, c'est lié aux roches, hein, c'est naturel. Mais on voit aussi quand même des contaminations qui sont probablement d'origine industrielle autour de Paris, dans le Nord-Pas-de-Calais, et puis également dans les zones métallurgiques et les hauts fourneaux de Lorraine. Voilà, il n'y a pas que les métaux lourds dans la vie, il y a aussi des polluants organiques persistants, tout un tas de sortes. Alors là, ce que je vous montre, c'est un HAP, donc un hydrocarbure aromatique polycyclique. Donc c'est quelque chose qui est relativement toxique, qui est issu de la combustion incomplète de produits organiques. Alors ça peut être du pétrole, ça peut être du bois, ça peut être plein de choses, mais généralement ça provient de ça. Donc c'est quelque chose qu'on fabrique pas naturellement, quoi, dont on veut pas. Mais voilà, il se diffuse, il se balade dans l'atmosphère.
Et donc là, vous avez une carte de sa présence sur la France. Alors, ce qu'on voit, ce qui est assez clair, c'est qu'on a un énorme paquet ici dans tout le nord, nord-est de la France. Et ça, on met ça sur le compte de l'industrialisation ancienne, hein, de tous ces secteurs-là, et puis sur le compte de transport atmosphérique. Il y a peut-être aussi un petit peu la Roure qui doit être par là, qui est peut-être en cause. Et puis, on voit également qu'on a des entrées maritimes, c'est-à-dire qu'on a du fluorantène qui nous arrive des océans ou qui nous arrive de la Méditerranée, là. Et là, on pense en fait que c'est du fluorantène qui se balade dans l'atmosphère, c'est-à-dire que la contamination, elle est généralisée sur le monde entier. Et les premières pluies, quand elles arrivent sur le territoire, ben, elles font retomber ce produit sur nos sols. Et puis un exemple de catastrophe écologique, donc ça c'est la chlordécone en basse terre. Donc la chlordécone, c'est un insecticide qui avait été épandu pour lutter contre le charançon de la banane. On s'est aperçu qu'il était extrêmement toxique. On s'est aussi aperçu qu'on n'arrivait pas, on n'avait pas trouvé en fait la façon de le débobiner. On ne connaît pas en fait le micro-organisme qui est capable de le dégrader. Et donc il n'y a qu'une chose à faire maintenant, c'est attendre qu'il s'en aille par l'essivage. Et donc il y a Maïk Abidosh en 2009 qui a fait un modèle et qui nous a montré, qui nous a prédit que si on voulait arriver à des teneurs acceptables dans les sols de bananeraie en basse terre, et si on voulait que ce soit décontaminé à 50%, il fallait attendre 2 siècles. Et que si on voulait que tout soit décontaminé, il fallait attendre 8 siècles. Donc ça, c'est vraiment un exemple de catastrophe. Un autre exemple de catastrophe au niveau mondial, c'est la Chine. Donc la Chine a longtemps essayé de cacher un petit peu... quelque part, la qualité des sols, c'était secret d'État. Et puis, ils ont quand même pris conscience. Et en 2013, ils ont lancé une grande opération de cartographie et d'estimation de la qualité de leurs sols. Et on s'aperçoit en fait que si on regarde les terres cultivées de Chine, on a pratiquement 20% qui sont contaminées à un niveau qui n'est pas acceptable. C'est-à-dire que, et on estime qu'ils perdent par exemple actuellement environ 13% de leur production de céréales ou de riz, tout simplement parce qu'elle n'est pas vendable, parce qu'elle est trop contaminée. Et ça se chiffre en milliards de dollars. Et les principales sources, c'est les émissions industrielles, c'est les activités minières, souvent des mines à ciel ouvert. Et puis c'est l'irrigation après avec des eaux contaminées. Alors dans le monde, oui, il y a des véritables catastrophes écologiques en termes de contamination. J'aurais pu vous montrer des exemples de l'Inde aussi, mais bon, on ne peut pas tout faire. En France, je ne veux pas vous affoler non plus trop, on a des contaminations diffuses qui sont le plus souvent assez modérées. Et ponctuellement, il faut savoir quand même qu'on a de nombreux sites qui peuvent être contaminés, des anciennes stations-service, des anciennes installations industrielles, etc. Et puis, la forêt, finalement, on croit que c'est un sanctuaire, mais ce n'est pas à l'abri des contaminations diffuses, parce que souvent, justement, quand ça arrive via l'atmosphère ou via les pluies, la canopée les arbres vont capter plus facilement qu'une culture. Et puis ensuite, avec les pluies, ça va retomber dans le sol et ça va s'accumuler. Il y a des endroits où, finalement, les forêts sont plus contaminées que le sol cultivé. Je ne sais pas où j'en suis. Biodiversité. Alors, le premier truc à retenir, c'est que les sols abritent environ 25% de la biodiversité mondiale dans les sols. Et que c'est encore très largement inconnu, qu'il y a de très nombreuses espèces de micro-organismes qui sont encore inconnues. Et il y a un chiffre peut-être à retenir, c'est que si vous regardez le poids de la biodiversité souterraine, qui est sous vos pieds, ça équivaut à 100 moutons par hectare. Alors que normalement, les moutons par hectare, on n'en met pas beaucoup plus que 7 ou 8. Quoi. D'autres chiffres. Donc, dans un gramme de sol, vous avez environ 1 milliard de bactéries, dont 100 000 à 1 million espèces différentes. Vous avez environ 1 million à
à 10 millions de champignons, dont 10 000 à 100 000 espèces différentes. Et tout ça, ça rend des services, ça rend des services écosystémiques. Ça recycle les éléments minéraux, ça aide au cycle du carbone, ça aide à dépolluer. C'est un patrimoine génétique immense. Et l'enjeu, finalement, pour nous, c'est d'essayer de protéger ce patrimoine biologique pour l'utiliser pour une meilleure gestion des sols et de la production. Alors, on a regardé un petit peu la distribution des micro-organismes dans les sols de France. Et là, vous avez une carte qui est à droite, donc qui est la quantité d'ADN microbien dans les sols de France. Et on voit que ce n'est pas réparti au hasard. Ça dépend vraiment des caractéristiques des sols. On voit que dans les sols sableux, comme les Landes ou la Sologne en jaune, on a beaucoup moins de micro-organismes que dans les sols argileux ou riches en matière organique. Ça varie d'un facteur de 1 à 10 à peu près, à la fois sur la base de critères, je dirais, naturels, la composition des sols, mais aussi en fonction de l'occupation. C'est-à-dire que plus vous avez une occupation des sols diversifiée, plus vous allez avoir de micro-organismes et de biodiversité. Alors que si vous êtes en système de monoculture, vous allez diminuer considérablement votre biodiversité et votre nombre de micro-organismes. Alors là, je ne sais pas pourquoi il n'y a rien. Voilà. Voilà, c'est une modélisation. Ça, ça a été fait par des Hollandais qui prédisent où est-ce le nombre de vers de terre qu'il devrait y avoir normalement dans les sols en fonction de leurs caractéristiques. Alors, plus c'est bleu, plus il y en a. Quand c'est rouge, c'est qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc, vous voyez qu'il y a des effets également de nature du sol. Dans les Landes de Gascogne, les vers de terre, il y a presque rien, parce que d'abord c'est acide, et puis ils n'aiment pas le sable, ça les gratte et tout. Et puis, non mais c'est vrai, hein. Et puis vous voyez qu'il y a des effets climatiques aussi, donc il y a moins de vers de terre dans les sols de montagne ou dans les sols très arides qu'ailleurs. Et puis, voilà, il y a des menaces sur cette biodiversité. Et donc là, il y a une carte qui vaut ce qu'elle vaut, hein, mais qui vous prédit un petit peu quelles sont les menaces sur la biodiversité des sols en Europe. Et on voit que les hotspots où vraiment la biodiversité risque de souffrir, c'est l'Angleterre, c'est le Benelux, et puis quelques régions en France. Alors, voilà, il y a un truc sur lequel je voudrais insister, c'est que les sols ne sont pas morts. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que les sols sont morts, mais en fait, on trouve de la vie partout. Mais par contre, il y a des menaces réelles sur leur biodiversité. L'effet de ces menaces, elle n'est pas forcément bien quantifié encore. Qu'il y a un champ de recherche immense qui est ouvert par la biologie moléculaire en particulier. Et puis qu'il y a un potentiel et un patrimoine génétique énorme, en fait, pour l'agroécologie, la décontamination, les émissions de gaz à effet de serre, la santé. Il faut savoir que 70% des antibiotiques que vous trouvez en pharmacie, en fait, ils viennent de recherches qui ont été conduites sur les micro-organismes du sol, sur les bactéries du sol. Il y a tout ça qui reste à explorer. Alors, maintenant, je voudrais parler un peu d'enjeux politiques. Donc, dans le monde, il y a un accès au sol qui est très inégal. Et puis, il y a une problématique qui apparaît depuis déjà pas mal d'années, qui est celle de ce qu'on appelle l'accaparement des terres. Alors, pour vous illustrer un peu l'accès au sol inégal, là, je vous mets les superficies comparées de la Chine et de la France. Vous voyez qu'on est tout petit par rapport à eux. Si je vous mets la population, on est encore plus petit par rapport à eux. Mais si je vous mets la surface cultivée par habitant en Chine et en France, du coup, on est cinq fois plus important qu'eux. C'est-à-dire qu'on est cinq fois plus riche en sol que ne sont les Chinois. Et donc ça vous pose quelque part les bases de cette problématique de l'accaparement des terres et de l'accès au sol. Voilà, donc c'est quelque chose qui est en train de prendre de l'ampleur. J'aime bien ce dessin. Je vous laisse le regarder. Et pourquoi ça arrive, ça? Ça arrive d'une part parce qu'il y a la crise alimentaire. Donc il y a des pays qui ont besoin d'assurer leur sécurité alimentaire, qui se disent « je vais aller acheter des terrains ou louer des terrains ailleurs parce que sinon je ne vais pas pouvoir nourrir ma population ». C'est le cas de la Chine, par exemple. Il y a une crise financière aussi. Et il y a des tas de gens et des tas de multinationales qui se disent « mais puisque ça devient un bien rare, achetons-le, puisque comme ça, ça va
on va pouvoir spéculer, ça, le prix va augmenter, on va gagner de l'argent avec ça. Puis il y a la crise énergétique, donc une pression qui est accentuée par le fait qu'on fait de plus en plus de biocarburants, ou d'agrocarburants, si vous voulez, et donc ça augmente encore la pression sur les sols. Et donc les acheteurs, c'est qui ? Ben, c'est les pays riches, c'est les puissances pétrolières, c'est les multinationales. Et les acheter, ben, c'est soit les pays pauvres, soit des pays dont le modèle agraire ou le modèle politique a été un petit peu déstructuré et flotte un peu. Alors, ben, je vais vous montrer. Donc là, c'est les acheteurs. Donc les acheteurs, c'est Malaisie, États-Unis, Royaume-Uni, Chine, Arabie Saoudite, voilà, Singapour, Corée du Sud, Inde, France, on en achète aussi, nous. Luxembourg, Chypre, enfin, c'est pas des pauvres. Hein. Et puis, les acheter, c'est principalement des pays qui sont, je dirais, c'est l'Indonésie, c'est la Papouasie-Nouvelle-Guinée, donc eux, ils se font acheter principalement par la Malaisie ou la Chine. C'est beaucoup de pays de l'Afrique subsaharienne. C'est une partie, c'est certains pays également d'Amérique du Sud. C'est l'Ukraine aussi, sur lequel il y a un énorme rush actuellement, depuis quelques années, parce qu'en Ukraine, il y a des sols qui s'appellent les Tchernozem, qui étaient le grenier à blé de la Russie à un moment donné. Et voilà. Et maintenant, tout le monde est en train de se jeter là-dessus. J'en suis où ? Bon. Alors, quelles menaces sur les sols ? Un bilan, à mon avis, très contrasté à l'échelle mondiale. Il y a vraiment des endroits où il y a des catastrophes énormes. Nous, finalement, c'est un peu plus nuancé. On a des préoccupations, à mon avis, majeures pour le futur, qui sont l'érosion, l'artificialisation, la contamination, l'accaparement des terres, qui n'est pas juste un problème de sol, hein, qui est vraiment un problème de sécurité alimentaire mondiale, la désertification. On a de très fortes incertitudes également sur certaines évolutions. On ne sait pas comment va évoluer la biodiversité. On ne sait pas encore comment prédire l'évolution des stocks de carbone des sols du monde. D'où l'importance de faire du suivi, de la recherche, de la gestion à long terme. Est-ce qu'on en sait assez ? Voilà. Il y a des gens qui disent qu'on en sait plus sur les sols de Mars que sur ceux de la Terre. Alors, est-ce qu'il faut attendre pour agir que les sols de la Terre ressemblent à ceux de Mars ? Moi, je ne crois pas. Donc, je vous cite, là, c'est Saint-Exupéry qui nous dit « Nous n'héritons pas la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos petits-enfants. » Donc, voilà, il faut arriver à penser quelques générations à l'avance. Voilà, et donc, moi, mon dicton, c'est « Save our soils ». Donc, ça fait ça, « Save our soils », SOS. Et alors, est-ce qu'il y a une volonté réelle politique nationale ou internationale qui émerge ? Je vais essayer de terminer là-dessus. En France, il y a un groupement d'intérêt scientifique sol qui a été créé, qui est reconduit, dont l'objectif est principalement de faire un bilan de l'état des sols de France. C'est un peu toutes les cartes que je vous ai présentées. Donc ça fonctionne, mais ce n'est pas un instrument politique, c'est un thermomètre. Il y a une mission interministérielle sur les sols qui vient d'être créée pour définir une stratégie nationale politique sur les sols. Il y a eu récemment la création d'un club parlementaire pour la protection et l'étude des sols où on va essayer de réunir les différents parlementaires pour leur parler des sols, pour les éduquer au sol quelque part. Et puis il y a eu très récemment aussi une saisine du Conseil économique, social et environnemental qui se pose également des questions sur la gestion des sols. Donc il y a une petite prise de conscience politique quand même. En Europe, il y a eu une communication de la Commission européenne en 2002, qui a été suivie par des groupes de travail intergouvernementaux en 2004, une proposition de directive cadre en 2006, qui a été adoptée par le Parlement en 2007, et puis qui a été bloquée par le Parlement, par 5 pays. Donc se sont opposés l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Autriche et le Royaume-Uni. Et la France, dans toute sa diplomatie et sa splendeur, s'est abstenue, ce qui a suffi à bloquer le système. Et puis, il y a eu retrait, finalement, de cette directive en 2014, avec probablement une remise à plat pour une nouvelle proposition, mais on ne sait pas quand.
Alors, il y a des initiatives mondiales. On en a parlé tout à l'heure en introduction. Donc, il y a le partenariat mondial sur les sols qui a été créé par la FAO. Il y a un groupe intergouvernemental sur les sols qui a été créé aussi pour essayer de réfléchir à l'échelle mondiale sur ce qu'il faudrait faire sur les sols. Il y a la journée mondiale sur les sols qui a été également décrétée par les Nations Unies. Et puis, l'année internationale des sols qui est cette année. Donc, c'est le moment. C'est le moment de le faire. Et puis plein d'autres initiatives un petit peu partout. Donc un petit mot juste sur ce Global Soil Partnership. Donc c'est quelque chose quand même de très formel. Hein. Ça réunit les 194 pays membres de la FAO, plus des associations, plus des instituts de recherche, des instituts de développement. Mais ce sont uniquement les 194 pays de la FAO qui ont un droit de vote. Il y a donc ce panel d'experts dont je fais partie, qui est là pour dire ce qu'il faudrait faire, enfin pour conseiller le Global Soil Partnership. Et ensuite, c'est implémenté au travers d'un secrétariat et puis de partenariats régionaux qui vont essayer de mettre en place les choses. Alors, les cinq piliers de ces partenariats, c'est promouvoir une gestion durable des sols, c'est l'investissement, la coopération technique, l'éducation. C'est l'identification des besoins prioritaires en recherche, c'est la mise en place d'un système d'information mondial sur les sols, et puis c'est l'harmonisation des méthodes de mesure et des indicateurs. Mais c'est fragile parce que c'est sur une base qui est volontaire, qui n'est pas contraignante. Les États peuvent être un petit peu frileux. Il n'y a pas vraiment de ligne budgétaire internationale identifiée. Sauf pour réunir tout ce joli monde. Mais derrière, il n'y a pas les Nations Unies qui disent on va mettre, ou la Banque mondiale qui dit on va mettre tant de milliards de dollars sur les sols. Et puis c'est porté par la FAO, donc ça veut dire que c'est quand même très vu sous l'angle, je dirais, alimentation. Et donc les enjeux qui sont autres que agriculture et alimentation sont moins portés. Alors, il y a plein d'actions nationales et régionales. J'aurais pu rajouter celle d'aujourd'hui. Donc, ça bouge. Et il y a quand même des difficultés de prise de conscience politique de l'importance des sols. La première difficulté, c'est que les sols ne se consomment pas directement, comme l'eau ou comme l'air. Donc, on les perçoit moins bien. On ne les considère pas encore comme un bien public. Il y a des gens qui pensent que le sol ne se déplace pas dans le monde, que tout doit se gérer nationalement, mais ce n'est pas vrai, en fait, il se déplace, ne serait-ce que par l'érosion, etc. Le coût de l'inaction, il n'est pas calculé, il n'est pas pris en compte. Si je laisse le sol s'éroder, combien ça va me coûter in fine, ce n'est pas calculé. Et puis, les conséquences de la dégradation sont difficilement perceptibles. Alors, il y a des exceptions historiques notoires, hein, le Dust Bowl aux États-Unis en 1929, ou bien les incendies et les érosions en Australie dans les années 90, ou les contaminations en Chine en 2013. Là, pour le coup, il y a des gens qui ont pris des mesures. C'est après le Dust Bowl aux États-Unis que les États-Unis ont décidé de créer un service de conservation des sols et de faire de la carte des sols des États-Unis. Et puis, voilà, les atteintes aux services écosystémiques qui sont rendus par le sol sont difficiles à chiffrer en dollars, en euros, etc. Et on vit dans un monde qui résonne en dollars, en euros, c'est comme ça. Et donc, si on n'arrive pas à le chiffrer, ben, on arrive mal à défendre ces choses-là. Alors, je pense qu'on peut y arriver quand même, parce que moi, je suis optimiste. On peut y arriver grâce à la recherche, on peut y arriver grâce au système d'information, à la carte, au suivi, à l'éducation, au transfert de technologies, à la communication, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, à une prise de conscience politique. Il y a une volonté qui émerge, à mon avis, il faut l'accompagner. Voilà, merci pour votre attention. Heureusement que vous avez dit que vous étiez optimiste, hein. Sinon j'étais complètement déprimée moi ce soir. Merci d'être venu, merci pour cette conférence. Merci à vous et merci à la salle. Et merci à vous tous, bien sûr, de votre fidélité. La semaine prochaine, on parle des fourmis. Vous savez qu'il y a
l'exposition sur les fourmis qui est là-haut. Alors, nous recevrons Vincent Perrichot qui viendra nous parler de l'origine et de l'essor des fourmis. Ce sera donc mardi prochain. Bonne semaine à vous et j'espère à la semaine prochaine. Et encore merci. Bonsoir.